Bonjour les gens. Plus de 300 écoles hébraïques en France. De même pour les écoles musulmanes. Collège, lycée, primaire, tout ce que vous voulez. Et zéro, et je dis bien zéro, école panafricaine. Pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Tout simplement. Parce que le préfet de la Guadeloupe a décidé de refuser une école, l'ouverture plutôt d'une école panafricaine en Guadeloupe. Ces raisons? Incompatibilité avec les valeurs de la République. Un caractère séparatiste, générant un trouble à l'ordre public. Le bâtiment lui semblerait insuffisant en matière de sécurité. Le projet pédagogique lui semblerait sommaire. Attendez, excusez-moi. Il aurait dit succinct. Et prônerait un repli communautaire. Des arguments futiles et complètement débiles. Ah, je vais le dire, complètement débiles. Déjà qu'ils ne sont pas de son ressort. Je ne savais pas que le préfet faisait partie de, comment dire, des inspecteurs des travaux finis ou du rectorat. Sachant que le rectorat eux-mêmes ont approuvé le projet pédagogique de cette école. Ils n'ont rien eu à redire et avaient même donné la date d'ouverture de l'école. Donc, ils se sont retrouvés à demander au tribunal administratif quels sont les droits qui les empêchent d'ouvrir leur école et savoir si le préfet avait le droit de refuser l'ouverture d'une école panafricaine en Guadeloupe. Écoutez ça, la promotrice de l'école dénonce les décisions qui ont été prises par la suite. Écoutez, ils ont convoqué certains donateurs de l'école, ainsi qu'elle-même, et on lui a collé comme motif, écoutez, escroquerie et volonté de nuire à l'ordre public. Tout ça pourquoi? Pour une école. Donc, école hébraïque, ça va. École musulmane, ça va. École bouddhiste, ça va. Mais une école panafricaine pour leur apprendre leur histoire et leur culture, non, c'est pas possible. C'est une incompatibilité à la valeur républicaine. Attention, ça va générer des troubles à l'ordre public. Attention, un caractère séparatiste. Attention, en France, non, pas possible. Et prenez un repli communautaire. Sérieux? C'est vrai? Non.